Bonjour tout le monde. Lundi 16 septembre, c'est notre 9e jour de marche. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. Avec ses côtes escarpées, ses petites criques, ses mythes et ses légendes, elle impose sa beauté naturelle et un engouement qui ne se dément jamais. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudens et des Korrigans, où chaque menhir raconte un mythe, où la bruine adoucit les visages, bercé par le bruit des vagues et le chant des goélands, rythmé par la musique celtique, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette harmonique millénaire. Tout d'abord, je tiens à remercier Annie et Guy qui sont venus nous chercher à 5A et qui nous ont emmenés chez eux à près de Dinan. D'ailleurs, hier soir, on est allé se promener dans la très belle ville de Dinan. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille cette ville parce que c'est vraiment magnifique. Ce matin, on a un petit peu traîné. On a profité d'être véhiculé pour racheter des petites choses qu'on avait perdues ou cassées. Par exemple, Françoise, elle avait cassé son aiguille à tricoter. Mais maintenant, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut. Elle avait terminé le haut de mon maillot de bain, maintenant elle va pouvoir faire le bas. Nous sommes au port de 5A. Guy et Annie sont encore avec nous, pour notre plus grand plaisir. Avec Françoise, on a arrêté d'avoir l'ambition de faire 20 km. On a encore vu hier que sur le sentier des douaniers, il fallait une super condition physique, un sac à dos un peu plus léger. Et donc, ben ouais, on n'en est pas capable. Du coup, aujourd'hui, on a prévu à peine 15 km. On a repéré un terrain de camping à Pléboule. On a ressorti les câbles de pluie, vous avez vu. Voilà, oui, en bas au port, il y avait un petit crachin, quelques gouttes. Alors, on a ressorti les câbles de pluie, mais bon, apparemment, ça devrait pas durer. Merci bien. Allez, gros bisous. Au revoir. Allez, bonne marche. C'était une petite séance vacances. Mais qui était super sympa.
Olivier Breize avec un H, B-R-E-I-Z-H, ça veut dire la Bretagne. Et Breize sans H, ça désigne les peuples britanniques, c'est-à-dire les peuples de l'actuelle Grande-Bretagne. Le britannique, ça comprend le breton, le gallois et le cornique. Le breton, c'est une langue qui est parlée depuis plus de 1500 ans. Le breton, c'est une langue celtique spécifique à la Bretagne. On a retrouvé des écrits du 8e siècle et on estime aujourd'hui que 225 000 personnes parlent le breton. Le gallois, c'est une langue bien sûr qui est parlée au Pays de Galles et elle a été déclarée officielle en 2011. Et ce qui est amusant, c'est qu'on la parle, bon, en Angleterre, mais aussi en Argentine. Et donc, il y a aussi le cornique, qui est parlé en pays cornique. Non, c'est parlé en Cornouailles. Alors la Cornouailles, où est-ce que ça se situe? C'est au sud de l'Angleterre et à l'ouest. Eh ben Gérard, c'était là que j'avais prévu de m'arrêter. Justement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi nos vidéos, Gérard, il n'arrête pas de nous suivre, sauf qu'il est devant nous. Il fait même demi-tour. À chaque fois, on le retrouve. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Bon, enfin, on trinque quand même ensemble. Hein. Allez, Chine. Chine. À la vôtre. Attends, je... Alors en bord de mer, il faut vraiment faire attention quand on plante sa tente, c'est au moment où on plante les sardines. Les mouettes, elles adorent ça. Nous sommes au camping de Pléboule et vraiment c'est un petit camping de rien du tout, mais il y a tout ce qu'il faut. Alors je m'adresse surtout aux randonneurs qui veulent faire GR34. Vraiment pensez à ce petit camping de Pléboule. Vous voyez, il y a un petit endroit pour se mettre à l'abri, se restaurer. Vous voyez, réfrigérateur. Là, je sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être une machine à glaçons. Un congèle. De quoi cuisiner. Un évier. Micro-ondes. Poire. Il y a même baby-foot. Billard. Table de ping-pong. Et puis plein de livres. Évidemment, il y a des sanitaires et c'est hyper propre, c'est super bien entretenu. Et autrement, on a deux lave-linges
et un sèche-linge. Alors je crois que je suis attendu pour boire l'apéritif. Alors je vais arrêter cette vidéo ici. Vous souhaitez une bonne soirée et je vous dis à demain.